c'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. On est ici pour travailler quelque chose d'essentiel, la communication. Non mais on sait communiquer, merci. Hein. Hey, vas-y, baisse les yeux là, me regarde même pas, baisse les yeux. T'écris quoi? H-O-P-L-A, des hop là. J'ai pas le temps, fais-moi des hop là. Tu sers là. Je connais pas vraiment votre histoire, mais ton ami là, je pense pas que ce soit un bon exemple pour les petits. On lui a beaucoup pris à ce gamin, mais il a un bon fond. Moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi parler, enfant, rigolez-moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Vous avez envie qu'il reste jusqu'à la fin du stage? Oui. Ah, oui, oui, oui. Si je le remplaçais? Ah, non. Ils sont marrants, ils sont vifs, ils souffrent en même temps, ils lâchent rien. Ça me rappelle quelqu'un. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. C'est Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie.